Ah, la dernière fois, je suis parti à la place du pont et vu que je suis un Algérien, il y a beaucoup d'Algériens à la place du pont. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une série de FDJ officielle. Voilà, son compte, il est tenu par un ami à lui à l'extérieur. Il repasse des vieilles stories ou des histoires. Il va y avoir une histoire entre Harouf et Popeye. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ah, la dernière fois, je suis parti à la place du pont. Et vu que je suis un Algérien, il y a beaucoup d'Algériens à la place du pont et tout. Oh, je suis arrivé, j'ai vu plein de blédards. Ils se sont mis en rond et tout. Ils crient FDJ, 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 Algérie, FDJ. Je leur ai dit, ah, mais je fais 30 vues. Ils se sont tous barrés. Mourir. Wallah, grosse force à eux parce que wallah, nous on a eu la chance que nos parents ils nous ont tout donné ici, hein. Et là, ceux qui viennent du bled encore jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui ont pas de repères, qui ont pas d'argent, qui savent pas comment survivre tous les jours, hein, parce que wallah, c'est la plupart, il y en a, ils survivent pour de vrai. Et ben wallah, grosse force à vous, c'est mes frérots, c'est le sang, c'est la blédarisation là. De toute façon, on est tous. Excuse-moi. Ah, t'as pas l'heure? L'heure, s'il te plaît. 3 heures. Tu me passes la montre, je regarde moi. Donne la montre. La montre, je regarde. Vas-y, il va partir, il a peur de moi. Il est malade, lui, hein. Popo, je vais te parler français, comme ça va être clair dans ta tête. Espèce. Déjà, pour commencer, faut que tu saches que tu ressembles avec ces crottes de nez qui coulent là. Tu lui ressembles. T'as capté? Et malheureusement, toi, en fait, t'es pas conscient de tes paroles. C'est pour ça que je me prends même pas la tête avec toi. En fait, il y a des gens qui profitent de toi et c'est eux qui disent vas-y, dis ça, dis ça. Et t'es pas conscient de ta tête. T'as un gogol. Ça se voit ta façon de parler. Je pense que tout le monde a remarqué que t'as un gros gogol. T'as capté? Mais quand même, poteau, quand tu seras en face de moi, faudra assumer tes paroles. T'as capté ou pas? Est-ce que t'as capté, chacal? Moi, tout le monde me connaît, je suis une star. Je fais des millions de vues. Toutes les beurettes de quartier me kiffent. Moi, je suis trop beau. Moi, je suis un beau garçon. Je suis plus beau que tous les rebeux. Toi, tu es un bâtard. Toi, t'as pas d'argent. Moi, je suis riche. Regarde. Tu es riche. Viens, on revoit à Lyon, je te déchire. On fait la bagarre comme un homme, zombie zombie, contre couille. Hein, viens, je t'attends à Lyon. Ah ouais, les jaloux, vous êtes en train de vous dire, mais comment il fait Harouf pour se démerder tout seul, comment il fait l'hôtel, comment il fait le ramadan, comment il fait tout ça? Parce que moi j'ai une grosse mentale, je suis un gros bonhomme, j'ai besoin de personne. C'est ça un gros bonhomme, moi je me démerde tout seul, je suis un débrouillard. Apprenez à vous débrouiller tout seul, je suis trop malin, je suis trop intelligent moi, t'as capté? Et là j'attends mon nouvel appartement, c'est pour ça que je suis à l'hôtel. Mais faut sortir tous les jours l'argent pour l'hôtel, vous allez même pas tenir un jour, t'as capté? Moi je suis un beau garçon. J'ai un beau visage. Je suis trop beau. Je suis plus beau que tous les rebeux et tout. Je sais pas, un pote à toi qui peut envoyer une PCS, poteau, urgent là. Je suis dans un gros bourbier, mon ref, là, voilà. HM, je sais, t'as besoin d'argent, frérot. Eh ben. Attends, je vais regarder là, je vais voir. Tu veux quoi exactement? Je suis dans un putain de bourbier, je t'expliquerai. On a tous besoin d'argent, même toi, frérot. Même toi, t'as besoin d'argent, moi, en plus, t'es en prison. Mais il faut juste 80, gros. Je te demande pas de plus. Juste 80, mais maintenant, faut m'envoyer ça maintenant. Je suis dans un putain de bourbier, poteau. Et
Mais voilà, ça gère, il me faut ça maintenant, s'il te plaît. Juste 80, c'est urgent, je t'expliquerai tout à l'heure quand je serai posé. Si t'arrives à trouver, je t'expliquerai, mais le cas en gros, voilà, gros, c'est urgent. Voilà, je vais te les envoyer. Par contre, arrête de mettre dans ta story comme quoi t'es plein d'argent, que tu te débrouilles dans la vie et tout, tu vois. Parce que c'est pas vrai. J'aime pas les mensonges, moi. Mais je vais t'envoyer, t'inquiète, frérot. Ça se roule, le Coran, c'était sûr, c'est pas un truc déjà utilisé. J'en suis sûr que c'est un bail utilisé, ça, déjà. Mais non, voilà, recharge là, voilà, j'ai envoyé un pote à moi pour te prendre la recharge, là, t'inquiète, elle marche. Ouais, tu crois que je suis un bâtard ou quoi? Là, je suis choqué, ça, le bâtard, le Coran, ça marche. Tête de ma mère, ça marche. Tête de ma grand-mère, ça marche, le truc. Wesh, comment ça se fait que tu fais le bon comme ça, toi, là? Voilà, je te pensais pas comme ça, hein. Je pensais que t'allais faire le bâtard, là, sur la story, là, là. Après, on allait s'embrouiller encore, se clasher, là. Mais non, sur la story, on rigole, frérot. Après, tu m'as dit t'avais besoin, moi, t'es là, t'es mon frère, je t'envoie, y'a pas de souci. On rigole, c'est pour rigoler, frérot, je te clash pas dessus. C'est que tu m'as fait rire, c'est tout. Je viens de recevoir une vidéo de Popoy. On dirait qu'il est prêt pour le combat et il commence à s'entraîner à fond. Regarde, il y a marqué ton nom sur le fond. La mort de ton nom, de la mort. Tu vas mourir. Donc voilà, le clash, c'est de l'humour. C'est à prendre au second degré, c'était pas sérieux. Regarde la preuve, il lui a envoyé 80 euros. Après, ça fait bizarre, tu vois, parce que quand t'es en prison, normalement, c'est les gens qui aident en envoyant un mandat à l'intérieur, surtout que on va dire 10 euros à l'intérieur, c'est comme si tu avais 50 à l'extérieur. C'est quand même... Et bon, il lui rendra sûrement, là. Sûrement, il a dû avoir un problème. Eh, comme quoi, il est gentil, FDJ, franchement. Lui envoyer 80 euros parce qu'il est en galère. Parce qu'il est dans un guet-apens. Franchement, c'est très gentil. De toute manière, FDJ, il a un bon fond. Après, faut pas trop le chercher, parce que sinon, il pète les plombs. Voilà, faut pas, c'est le mec, faut rester tranquille, il fait de l'humour. Après, les gens, ils comprennent pas que c'est de l'humour, c'est du second degré. Voilà, c'est pour un peu buzzer, un peu rigoler sur des sujets d'actualité, comme on dit. Voilà, comme tout le monde fait, ceux qui sont dans l'actualité. On partage des infos du moment, tout ça. Voilà, voilà, donc il est toujours au HEPS, donc c'est pas lui qui fait le snap, c'est un ami à lui, voilà, il a pris les coordonnées, il lui a donné les coordonnées, donc c'est un ami à lui qui fait les snaps, voilà, pour faire un peu de l'actualité, voilà, il regroupe les deux réponses, ça m'évite de faire une vidéo de Popo, une vidéo de Harouf, tout ça, à part quand je vais couper quelques mots au montage, parce que, voilà, maintenant, YouTube... À part si c'est dans l'humour, mais on prouve bien que c'est dans l'humour, là. C'est pas des insultes. Voilà, il y a une différence entre insultes pour de vrai. Voilà, ils se mettent vraiment dans le personnage, dans le clash, tout ça. Donc peut-être il fera un octogone, qu'il fasse savoir, comme Benji et Dylan Thierry. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'ils vont faire un octogone, Harouf et Popoy. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2.